Thank you.
Thank you.
pourquoi Topan n'a pas pu finir l'histoire du prince Rama et de la princesse Aurore, ni la montrer dans le grand théâtre en face de son épicerie. Pourquoi ? À cause de son ami. Topan a un ami qui travaille dans le grand théâtre. Un ami qu'il a rencontré dans son pays. Mais moi, pas beaucoup d'argent gagné dans mon pays et pas beaucoup d'intérêt pour mon métier. Pas beaucoup d'intérêt. Alors, quand je rencontre mon ami, je décide, je viens à Europe. Et Topan est arrivé en Europe avec une seule idée en tête. Raconter un nouveau conte. Un mélange de deux histoires. Une d'ici et l'autre de là-bas. Son ami lui a trouvé un travail dans l'épicerie en face du théâtre. De temps en temps, il passe lui faire un petit bonjour, ce qui est très sympathique, et pour son ami qui est un homme très occupé, déjà pas mal. Topan aimerait donc que son ami lui permette de présenter son spectacle de marionnettes dans le grand théâtre. Mais son ami lui fait comprendre qu'une histoire naïve, avec des bons et des méchants, ça fait trop Walt Disney et pas assez contemporain. Mais à la fin de toutes les histoires, c'est toujours le bon qui se bat contre les méchants. Alors Topan et son ami ont de longues discussions. Son ami aimerait-on lui ouvrir de nouveaux horizons, lui ouvrir l'esprit, et le persuader qu'ici, ce n'est pas comme là-bas. Et un jour, alors qu'il se promène en ville, son ami lui montre une publicité qu'il trouve très intéressante. Et moi, pas aimé cette image, pas aimé. Oui. Pour Topan, cette idée, bon, mauvais, mauvais, bon, représentée sur cette affiche est peut-être intéressante, mais fausse. Mais finalement, son ami a sans doute raison. Raconter aujourd'hui des histoires simples et naïves avec le bon qui tue le méchant, ça fait un peu con. Qu'en pensez-vous ?